vidéo créa. Je vais vous présenter le matériel. Vous allez voir, c'est une vidéo assez, elle va être assez rapide. De toute façon, je vous présente le matériel et puis on fera ça, je pense, en accéléré et en musique. J'espère que je vais arriver à mettre cette vidéo en ligne. J'en ai déjà deux autres et j'ai des soucis de logiciel de montage. Alors, on commence par le matériel. Alors, on va faire donc quatre cartes ensemble. Deux papiers murmure blanc, donc deux papiers blancs. Un papier de couleur. Donc là, j'ai pris magenta en folie. Pour le tampon, je vais utiliser rose sauvage. Je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Voilà, je vais utiliser peut-être ces deux-là ou ces deux-là. Je vais voir. Pareil, j'utilise ces deux-ci pour le feuillage. Je ne vais pas utiliser les trois et les trois, je vais en utiliser que deux en texte ravi. Que tu sois mon ami. Je réfléchis. Mon outil touche à tout. Les doubles faces en mousse de chez Stampin'Up, j'aime bien cela. La colle Tombow blanche. Des cristals, des bijoux classiques cristal de rein de chez Stampin' Up. En encre, Memento noir. Pour le feuillage, Riche Raisin d'or olive. Pour la rose, pétale de rose, magenta de folie. De la mousse. Et mon massico. Et un papier de fond. Allez, on va prendre un papier à 4 et puis on démarre tout de suite pour 4 cartes où on fait nous-mêmes notre fond. On prend un papier donc A4 blanc et on va enlever 3 cm de chaque côté. On peut garder. Moi, je garde mes chutes quand c'est du blanc, comme ça on peut faire des étiquettes. Donc voilà. Et maintenant en fait, donc on va faire ça. Ensuite, là, on enlève les 3 cm. Là, on n'enlève rien à l'autre blanche. Et à la rose, on enlève 1,5 cm de chaque côté. Là, on va diviser directement en 4. On va diviser en 4. Du coup, il reste 14,2. Ok. Et là. Et on va faire pareil avec la feuille A4 sur laquelle on n'a pas du tout touché, qui reste vraiment en A4, 21, 29, 7. C'est bien 21, oui. Donc 10,5. Et là, de ce côté, donc là, on va faire 14. Hop. 14. Voilà. Donc le massicot on l'utilisera après seulement. Et en fait, pour tout ce qui est base, voilà, ça ce sera la base de notre carte. Vous voyez? Voilà, ce sera la base. On peut mettre de côté, on collera après. Ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner de ce côté et de ce côté. Des roses, donc en pétales de rose et en magenta, et puis des feuilles en vert olive et en riche raisin, et on fait ça en musique.
Et donc voilà, 4 cartes faites avec un tampon, de la colle, 3 papiers, enfin 2 papiers blancs, un papier de couleur, et puis et de la colle, bloc acrylique, et voilà. Et c'est un tampon qu'on a créé, donc on a fait le fond nous-mêmes, et j'ai trouvé que c'était sympa. Et j'avais envie de faire des petites cartes pour mes amis. Donc voilà, j'avais fait celles-ci en test qui ne sont pas pareilles. Tout à fait, c'est pas la même couleur. Et donc voilà, j'ai fait des cartes pour envoyer à mes super amis. Allez, sur ce, je vous dis à très vite en nouvelle vidéo créa. Tchuss!